Depuis après assassinat président Jovenel Moïse, 7 juillet 2021 passé, Ariel Henry, c'est lui-même qui a dirigé le pays. Il n'y a pas un secret pour pièce haïtien. Mais il faut que nous, compatriotes, frères et sœurs, il y a une quantité de dérives qui a passé dans le pouvoir Ariel Henry. C'est comme si Ariel Henry et le gouvernement ont accepté volontairement pour yon liquider, pour yon vendre Haïti tibout pa tibout, ba international. Yon de série de bagay kap passe nan moment nan pays, yon, sou pren conscience de yon, sou au courant de yon, ou suppose crier. Nan jou ki sot passe yon la, genye yon injonction que pays voisin ou République Dominicaine li fè à l'État haïtien, kote yon passe l'ordre formel à gouvernement plaçant, pour yon kampe tout travail qu'a fait sous rivière massacre. Et nous connaissons qui quantité bataille, qui quantité parole en pile, le Jovenel Moïse était là. République Dominicaine était fait avec gouvernement qui était là à l'époque. Le ça, c'était Claude Joseph qui était ministre des Affaires étrangères. Qui quantité parole en pile qui était gagné pour l'État haïtien camper tout travail qu'a fait sous rivière massacre, alors que irrigation, t'as pral aider un pile paysan la caille. Et bien, on pral saisi, tande, le gouvernement dominicain, fin mandé Ariel Henry pour camper tout travail, on pral saisi, tande, qui réponse Ariel Bay. Et c'est une des raisons, yon l'autre fois encore pral comprendre que pays d'Haïti li vann, pays en liquide, bay international, bay un paquet d'autres moun, sauf haïtien qui pa yon droit pour vivre dans pays yon tant moun. Genye DG la police France LB. Après gros incident, gros drame qui t'est passé dans Canara avec pasteur Marco Elzidor, eh bien DG la police te font conférence de presse côté pour première fois France LB t'est accepté gen des groupes moun k'ap créer sécurité. Gen bandi ak sapatio, mais derrière bandi ak sapatio, gon paquet oligak machin zam. On paquet oligak, machin munition, machin bal, qui contribue à l'insécurité, on a mette pays à hôtel, là, qui fait nous pas qu'à vivre là-dedans. Eh bien, continue vidéo, on bral gen pour me partager avec vous. Kote yon l'autre fois encore, LB réaffirme position par rapport avec des séries de gros palto qui a créé insécurité, qui a crasé la police. Mais LB li ta motive divers troupes, divers unités en dedans PNH pour al troquer kon ak bandi. Nous pral genyen pour nous partager dossier ça avec. On nous quitte kantik pour nous prendre prière gon l'autre dossier qui beaucoup plus important pour nous parler. C'est en d'entendre gon DCPJ en dedans la République, on direction centrale police judiciaire. Mais dans le dernier rapport supplémentaire de CPJ mette dehors qui est 36 pages, ou pral saisi pour tende, dans le rapport si là, il y a diverses personnalités qui n'ont pas le pouvoir réel en rien, de CPJ choisi volontairement fermer un jet sous yo, alors que yo doit être trempé dans l'assassinat Jovenel Moïse. Causément des chaises, parole yon en pile. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? C'est toujours un plaisir. Pour moi avec vous, dans l'émission pour l'an, mon éditorial avec Yannick. Pour nous aller chercher information, pour tes informations, pour vous traiter information, dans l'idée pour être connecté à tout petit détail qui a dominé à l'actualité. Jeudi, c'est dimanche 3 septembre 2023. N'a profité souhaiter un très bon dimanche et m'pa konnen sou te a l'église sou pas à l'église m'a exhorté ou suivre croyance ou pas négliger faire ça à l'église à prier la prière c'est âme pour ouvrir toute porte c'est âme pour casser toute cadenas qui m'a ça est extrêmement important. Mais n'a gagné tout pour nous faire parler avec yon zami émission qui dans moment là traverse une situation très difficile et son jeune garçon qui plein fou, qui plein et qui a bonne volonté, qui plein et connaissance qui paraît pour servir pays mais bandit pas bon ici, bandit à cravate à barre en bord, bandit à sap à tapter horizon en bord son situation difficile. N'a gagné pour nous parler avec Mark and Love Glogens guerrier. Mais avant nous rentrer dans l'information, m'a profité souhaiter un joyeux cet anniversaire avec yon fanatique, yon ami émission Osney Emmanuel qui a fêté jeudi.
et anniversaire li très cher, n'a pas souhaité un joyeux cet anniversaire et continuer avec même énergie de positivité, continuer être un monde positif, un monde qui prêt pour aimer monde, un monde qui toujours prêt pour partager avec monde, rester positif et pour partager en pile l'amour. Donc journée jodi là enjoy ou sans camper, amuser ou davantage avec famo proche ou partager en pile l'amour. Nous est jodi, nous pas comme demain. C'est jour qui devant nous, c'est lui compter, vivre la vie ou et sans camper. Et vendredi, c'était anniversaire rue Milléon. Et yon zami émission, yon maman émission. Et bien, nous pas de occasion et fêter avec lui vendredi dans l'émission. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire, ma chérie. Joyeux fête d'anniversaire avec ou même qu'on est famille, qu'on est proche amis, timoun yo boubout lan yo te vraiment fait tout ça qui te dépend de yo pour te rendre journée spéciale pour ou moi tout bagay et moi regret matin fête là l'autre forme tout ça. Et continuer rete avec même énergie positive et de positivité, continuer rete belle nom ça, belle moun ça qui briller, li extrêmement important. Et toutes amis, toute famille, toute proche émission qui a fêté jeudi, n'importe anniversaire lié à mariage, naissance, n'importe projet qui a été initié et a fêté succès. Et n'a pas souhaité une joyeuse fête, continuer travail, continuer bataille, chaque jour, puis plus. Demain matin, nous avons chaque traverser la rue. Mais nous chaque pour traverser. C'est pour le peuple à bloquer le pays. Dans quatre coins, du nord au sud, de l'est à l'ouest, manifester, mobiliser, mettre barricades, jusqu'à ce que nous installions le pouvoir peuple là, jusqu'à ce que nous installions le gouvernement provisoire. C'est ça mon dos de l'aïe. Et à partir de jeudi à là, le pays a été enfermé. Et à soi à là, si bon monde captendem, rentrez la caillou. Rentrez la caillou, bye peuple à la ouïa. Bye peuple à la ouïa. Tout le monde rentre la caillou. Tout le monde qui est dans la rue avec qui machine nous pas les victimes, rentre la caillou. Pas de problème à la rue là. Demain matin, chaque peuple traverse la rue. Peuple là a occupé la rue là. Peuple là a occupé béton dans quatre coins pays jusqu'à ce que nous installions le gouvernement provisoire. Voilà le message que j'ai porté aujourd'hui. Et puis, moun ki mouri yo, nous avons un mot spécial pour yo. Nous avons un mot spécial pour famille moun ki mouri yo. Nous saluons mémoire yo. Yo en pile. Gen yo qui te petite, gen yo qui te madame, gen yo qui gen 26 ans dans Koubadou. On seul bagay qui clair. Sans yo pap koule pour rien. Et tout moun ki participe dans assassinat yo, n'a jugé yo, n'a condamné yo, n'a flanché yo dans prison. C'est ça mon dos de laïe. Et puis, mobilisation non-stop, mobilisation sans camper, jusqu'à ce que nous installions le gouvernement provisoire. C'est ça le message là. Maintenant, sénateur Ricard, va passer nous. Est-ce que nous avons un message là? Si nous avons un message là, pour un petit bruit. Voilà, vidéo ça, où vous regardez là, ou déjà identifié qui est-ce qu'il a donné. C'est un individu machoué rouan. Jean-Ancien sénateur, Andrés Richer te dit. André Michel, c'est lui-même qui l'a donné. Ancien avocat peuple. Qui ça nous te André Michel t'a fait? André Michel t'a fait tout carrément, tout bonnement, dans figu tout le monde, il t'a fait incitation à la violence. Mais pas en foi, gouvernement Jovenel, là, pas en foi, on juge instruction ou bien commissaire gouvernement à l'époque. Te wè nécessité pour yo te mettre André Michel non quoi pour machine bat frapper. André Michel gon bagay li dit très clairement qui attire attention. Et qui motive m jounen jodi an pour me parler avec nous pidu. Pour nous caler genou, pour nous retirer la sit nan genou pour nous wè pour nous comprendre que c'est depuis longtemps. Nèg sa yo qui te nan opposition politique là c'est depuis longtemps yo te gen gang yo derrière yo te gen bandi yo derrière yo k'ap craser la république sous nous là mais nous pas de jambe ka réaliser parce que nèg yo te montré yo te fort comprendre son bataille politique qui t'a fait comprendre son bataille démocratique qui t'a fait pour rétablir l'ordre démocratique et pourtant c'était bluff c'était maniguette. André Michel Dou même chaque pas doit traverser la rue ça c'est un. André Michel Dou rentrer la caille nous bay peuple la rue
Et ça qui est plus grave, là, les deux ou les petits machines nous rentrent parce que les pavés nous victimes. Mais en sérieux, dès que le peuple André Michel t'a parlé, le peuple dans la rue a pour revendiquer. Si c'est le peuple qu'on est qui a pour revendiquer, ce n'est pas le peuple que Negio yo a baïsam, ce n'est pas le peuple Negio a fait jouer dans le maïs, ce n'est pas le peuple Negio qui a mis infiltration dans le mi-temps, mette gang Fantôme 509, mette bandit Fantôme 509, mette bandit vite l'homme, yo, la dans le mi-temps, yo. Dès que le peuple André Michel t'a parlé. André Michel, il prend moun pour égarer. L'André Michel a fait adresse avec groupe Mouni, nègak fom soi-disant qui se militant politique qui a marché de elle pour écraser pays. Yon connaît exactement ça l'a fait. Toute déclaration incendiaire sa yo. Toute déclaration côté que yon gen tan averti malere malerez yo véritablement pour mettre ti machine yon. C'est parce que yon connaît le yon pral passe, à qui vitesse yon pral passe. Le yon pral passe, massacre fait. Le yon pral passe a bien dit fe ki mette. Le yon pral passe a bien moun kap pren bal. Le yon pral passe a bien moun kap victime. Le yon pral passe a bien moun kap rete sou cadavre sou chaussée. Parce que le yon au côté, le yon passe au côté, c'est crime, c'est drame. C'est ça qui gagne. Jounen jodi, qui différence? Qui différence? Pas aucune différence. Nèg yo sou pouvoir yo nou wè pou nèg yo rive kembe pouvoir yo parce que gen des séries de noms qui impliqué dans touye Jovenel Moïse d'autant yo sou pouvoir yo pap jam rive sou yo mais kou yo kite pouvoir li évident que y a pran kòd li évident que la justice a privé sou yo a poursuivi yo. Et bien tout ça nou wè k'ap passé là dans la rue en un moment là gang qui réactivé bandi k'ap terrorisé moun centre-ville Port-au-Prince qui nan men bandi. Et Jean Bagayo et là nèg yo presque rivé sous palais national, yo presque rivé chan mas. Moun ka fou fè ki tap kouri a les plage Jérémy, moun plage Jérémy ki te senti yo à l'abri koun ya obligé kouri vin sous chan mas parce que bandi a kouri a rivé sous yo. Bandi a mete yo deyò. Et nous remarquons visiblement qui ça ka passe dans moment là dans pays là. C'est crise humanitaire que nèg yo a augmenté. C'est crise humanitaire pouvoir politique Ariel Henry dans moment là pour augmenter. Acolyte Ariel Henry, signataire en accord en septembre, accord 21 décembre, c'est crise humanitaire pour augmenter en dedans pays. Bamdou. Des séries de moun qui ont un virus sida dans ça yo. L'hôpital Jesque fermé pour qui ça parce que bandi a terrorisé, bandi a attaqué, employé pas ka vinn travail, docteur pas ka vinn travail, patient pas ka vinn prendre médicament. Moun sa yo qui te gen virus sida dans ça yo, yo pral mourir. Yo pral mourir là yo mourir plus problème. On l'autre bord de l'hôpital sanatorium. Patient pas ka vinn prendre médicament, docteur pas ka vinn travail, infirmière pas ka vinn travail. L'hôpital fermé. Malade qui était là obligé remettre yo. Et tuberculose li pa nan blague avec ou. Plus moun pral mourir, plus moun pral confronté avec urgence humanitaire. Avec urgence sanitaire. Qui est-ce qui participe? Qui est-ce qui crée fléau dans la vie journée jodi an la? Qui est-ce qui gen droit de tremper dans insécurité dans la vie journée jodi an la? C'est seulement gang yo et nèg ak cravat yo. Et secteur économique mafia. Moi vle nou kale genou pour nous comprendre. Depuis là nous insécurité a augmenté en dedans pays. Est-ce que nous j'entendé groupe Boulos d'où y a fermé maquette, y a fermé entreprise yo gen en Haïti? Non. Est-ce que j'entendé moun let bon gou yo moun di bio d'où y a fermé entreprise yo pas ka fonctionner en dedans pays? Non. Pa gen yon nan yo ki ramasse bakan tan yo pou aller. Et côté entreprise yo fonctionner, côté entreprise yo placé, côté y a produit bagay pou yo mettre sur marché ya, c'est dans foyer bandi yo, c'est dans foyer gang yo, tout affaire yo a réglé. Tout affaire moun sa yo a réglé, nous même malheureux malheureux, c'est nous k'ap kouri pour bandi. Nous la caille nous dans pays, nous n'ap kouri pour gang, n'ap kouri pour bandi alors que son groupe moun qui crée insécurité, son groupe moun qui crée instabilité, son groupe moun qui a profité de ça k'ap passé en dedans pays ya. Donc faut que nous ka commencer mandé on groupe moun sa yo qui a tiré profit, groupe moun sa yo qui a fait l'argent pendant que insécurité a li a cheval bandi a touyer. Nous faut que nous poser aux questions. Ça que fait là yo à l'aise pour yo fonctionner? Yo à l'aise pour yo vivre? Yo à l'aise pour yo travailler dans foyer gang yo sans que yo pas sauter alors que nous-mêmes nous pas à l'aise. Alors que nous-mêmes nous pas ka vivre la caille nous. Alors que kay nous prend déception, humiliation pour nous construire 10 ans, 15 ans, 20 ans de travail dur, nous pas qu'à vivre là-dedans parce que bandi mette nous dehors, bandi boule tout à fait nous, etc.
Nous avons pile de monde pour nous poser des questions. Ce n'est pas seulement pour voir qu'il y a l'enrière chaque jour pour nous poser des questions, mais il y a un paquet de l'autre acteur qui est impliqué dans ce qu'on a vécu aujourd'hui pour nous poser des questions. A fait tout le monde a marché, sauf à faire pas population, sauf à faire pas malheureux et malheureuse. L'autre bagaille qui est extrêmement important, nous avons fait nous croire que nous avons fait la sécurité, nous avons rétabli la stabilité dans le pays. Je vous dis, nous avons noir sur blanc, nous pas marché. Et qui ça a fait pour remédier à la situation en merde? Tout le monde dit tout bagaille bon. International, la communauté internationale, à travers les Nations Unies, à travers l'OEA, à travers CARICOM, à travers CELAC, yo mandé accord Ariel là pas bon faut que li loge faut qu'il y ait plus consensus. Ariel prend accord, li casse, li mette l'en bas bras, la fait affaire pas non l'autre bon. Nous pensons une volonté politique pour résoudre le problème de sécurité. Hein? Nous pensons une volonté politique pour résoudre ça dans vivre jeudi en là non. Non. Nèg yo créer une sécurité dans vivre là non pour intérêt yo. M'bral dou. Là nous commençons à comprendre objectif nèg yo. L'autre par exemple pour voir Ariel Henry. Qui sa rapport supplémentaire de CPJ en dit dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse? Eh bien, nous avons un rapport que le bureau d'affaires criminelles voyait par une instruction Walter Wessel Voltaire. Eh bien, on recommande le juge pour le mettre mandat d'amener des diverses catégories. Et ça va étonner, puisque dans le premier rapport de CPJ, te mette dehors quelques mois après l'assassinat président Jovenel Moïse, non, moun sa ou te la donne. Côté que yon mande pour Wendel et Coctello en bas code, pour yon mette mandat de HKD et Joseph Pierre, pour yon mette mandat d'Amnedel, pour yon mette l'en bas code, pour yon mette Francis Alexis Sineas, mette mandat d'Amnedel, mette l'en bas code, Line Baltazar retourne sous tapis. Moi, m'pas j'aime kon comment l'te fait sauti dans le dossier, hein? L'ina tout micro la presse, la parle de politique, l'te à Jamaïque, etc. M'konne l'te gen mandat d'elle. Kounye a la même nan, mais c'est Kounye a recommandation a fait encore pour yo remettre mandat d'elle. Donc, qui est-ce qui te retire précédent, mandat précédemment yo te gen derrière yo? Premier groupe mandat nèg sa yo te gen derrière yo. Qui est-ce qui te retire yo? Qui est-ce? Faut que la République konne qui est-ce moun qui te pas responsabilité retire mandat qui te gen derrière groupe moun sa yo déjà dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Eh bien, nous un rapport supplémentaire de 36 pages. Pral gen diverses personnalités parmi yo, Harrison Ernest, etc. Yo mande pou yo arrêter. Mais quand te bagal anti, j'a beaucoup plus et indiyan, énervé moun. Se l'entende, et gen yon tweet que Radio Télémétronome publié, kote que yo fè konnen dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, gen non de série de personnalités politique des séries de gros bras qui n'ont pouvoir Ariel Henry en un moment là qui gagne des fonctions importantes non mais y a géré là que non yo pas paraître pas sorti dans rapport là que yo pas recommandé à juge d'instruction Walter Wessel Voltaire pour mettre mandat d'amener derrière yo tout pour mander la police arrêter yo mari autant que crab tout c'est parce que moun sa yo yo nan pouvoir là c'est comme si des CPJ de DCPJ, direction centrale police judiciaire, cap travail de conseil avec la police, cap travail de conseil avec juge, commissaire gouvernement pour marer voler, marer délinquant, traquer bandi et puis yo dou bon groupe bandi qui dans la rue, bon groupe assassin qui dans la rue là, yo ta supposé gen mandat derrière yo, mais parce que yo nan pouvoir, yo pa vle met mandat derrière yo. Ferme paysan fini. Sacre le DCPJ, yon propot li, kadnase, l kloure, l nou fin avec li. Di admet yon fois pour nous la ge paye nan men gang, nan men bandi pour faire ça ou vle. Donc c'est tout normal pour nous ge san ge la comme résultat pour yon continue à planifier assassinat et toute population. Pour yon continue à planifier massacre toute population, parce que nous admet yon se bandi, yon se de bandi légal en de pouvoir, nous pas ka touche yon, nous pas ka arrive sou yon. Donc comprenne bien. Que des séries de personnalités, que des séries de moun là, même là yo te kembe yo la mais dans le sac à fourrer menan jack ou peuple à voler à faire corruption yo pap jamais rive sou yo. Nous met commencer faire quoi sous dossier procès Petro Caribea, que des séries de moun non yo impliqué yo pap jamais ka prendre code. D'autant ces qualités, d'autant ces groupes moun sa yo, criminels sa yo nous gagne dans pouvoir l'état. En dedans par injustice, en dedans de CPJ cap casser faire couvrir ça pour un groupe moun et puis cap marre on l'autre groupe dans pourri c'est sous banan 1000 gen force c'est comme ça nèg yo agi là y'a pas jamais payé ça que l'impunité y'a pas toujours rien pas jamais gen justice. Donc isoti la pli vite l'homme l'amour sans Jeff Canard yo konn ça yo gen toute soupçon de ça
C'est ça qui fait y a toujours des nèg yo payé, gen allié yo, reprendre qui pour barrer information pour déjouer opération la police a mené, y a toujours fait victoire sur la police. En parlant de la police, n'a pas gardé avec moi dans vidéo ça, on va le quitter dans des vidéos hein. Et Jean DG la police française LB l'a motivé tout yo. Et LB tout profiter. Passons un message indirect en dedans vidéo en côté que des séries de gros nèg en dedans pays qui fait toute façon toute gens yo connaît pour écraser institution la police. Tout bagaille a fait c'est sous la police yo metel. On nous garder qui sa France LB te gagne pour dire avec policier ça yo. On pas faire pour commandant, on pas faire pour commandement. On pas faire pour gouvernement. On appelle sur la police, on appelle toute famille. Moi-même, vous commencez par moi-même, on est fait pour ça. Parce qu'en Haïti, si vous parlez de couple, vous parlez de bagages qui vont avec nous, c'est la même chose. Si vous tout projet que nous avons en Haïti, soit pour chavirer, soit pour recréer activité, personnel, si ce n'est pas force que l'autre doit attaquer. Historiquement, c'est même pas là. Attaquer le commissariat, tuer les policiers, affaiblir les institutions de la police. Toujours comme ça. Vraiment possible. Comme police, vous dites, nous avons un devoir. Nous ne pouvons pas faire pour nous commander, nous ne pouvons pas faire pour nous commander. Nous ne pouvons pas faire pour nous gouvernement. On a fait. On appelle pour sur la police, on appelle toute famille. Moi-même, commencez par moi-même, on est fait pour ça. Parce que en Haïti, si vous parlez de couple, vous parlez de bagages qui vont avec nous, c'est la même chose. Si vous tout projet que nous avons en Haïti, soit pour chavirer, soit pour recréer activité personnelle, si ce n'est pas force que l'autre doit attaquer. Historiquement, c'est même bagarre. Attaquer le commissariat, tuer les policiers, affaiblir les institutions de la police. Toujours comme ça. Vraiment possible. Comme police, vous dites, nous avons un devoir. Nous ne pas faire pour un commandant, nous ne pas faire pour un commandement. Nous ne pouvons pas faire pour un gouvernement. On appelle la police. On appelle pour. Sur la police, on appelle toute famille. Moi-même, bon, commencez par moi-même, on est fait pour ça. Parce qu'en Haïti, si vous parlez de couple, vous parlez de bagages qui vont avec nous, c'est la même chose. Si vous tout projet que nous avons en Haïti, soit pour chavirer, soit pour recréer activité personnelle, si ce n'est pas force que l'autre doit attaquer. Historiquement, c'est même bagarre. Attaquer le commissariat, tuer les policiers, affaiblir les institutions de la police. Toujours comme ça. Vraiment possible. Comme police, vous dites, nous avons un devoir. Voilà. Nous sommes gardés, nous sommes tendés et DGLB qui t'a motivé troupio, qui t'a motivé policier. On a une question pour LB. S'il te gon note, li t'a baye tête li, combien l'a pie? Qui note LB t'a baye tête li si pou l'a baye tête li en note là? Parce que moi même, je senti zéro, gèle trois gros pour m'da baye LB nan moment là, nan façon nèg yo ap jere question insécurité ya. Moi, c'est, on l'autre fois encore, c'est avili LB a pas avili tête li. En tant que DG la police, ou estime gen moun kap ba ou estime gen de série de moun depuis le pa nan kan, depuis le pa nan klon, li toujou ap mete pou fig ba pyo pou tombe, pou bay mauvais résultat, etc. Qui sont fait en tant que DG la police pour stopper moun sa yo? Qui initiative ou prend pour marrer moun sa yo? Est-ce qu'on enquête sur moun sa yo pour wè ki intérêt yo gen nan insécurité? Qui intérêt yo gen nan gang kap terrorize population? Est-ce qu'on fait? Notre dernière intervention te fait et après Bandi Kanaren te fin massacre Fidèle Pasteur Marco yo. L'autre prend la parole ou te fait konnen gen des série de nèg, gen des série de bandi à cravate qui a financé, qui a coordonné activité gang, activité bandi dans pays, il faut que yo prend code d'eau.
te fè konnen sa. Jounen jodi a, ou on le fò ankò rekonèt, gen des seri de moun ka pran peche la polis la, ki a fè blokaj pou la polis la. Sò fè kont yo, sou pa fè rien kont yo, kounye yo pral wè ke, gen moun ka ba ou an, ou gen moun ka ba ou an, ba plas ou pa la. Ou pa kamare, ou pa rive sou, ou pa fè rien. Plas ou pa la. Plas ou pa la, donc kounye yo seul bagay pou fè. Ou demisyone ou ale, ou kite yo avèk peyi, ou kite yo avèk institisyon la polis yo. Donc comprenne bien. Donc kounye moi mwen que peuple la comprenne. Yo comprenne les nan siro, c'est siro miel nan vide sou yo, et nan tente nan passe, yo laisse mascarade nan fè yo fè. Kounye peuple la pa kwè aucune parole qui sorti nan bouche autorité. Bonjour nous ba la vérité, le peuple le sait. Donc bay moun tèt yo, OK? Bay moun tèt yo. Nous pral rentrer dans dossier et République Dominicaine là pour nous cal fait parler avec Makin Love qui attend nous là un bon moment. Eh bien, pays voisin nous République Dominicaine fait injonction à gouvernement haïtien pour yo camper tout travail yo t'a fait sur rivière massacre là. Donc, est-ce que République Dominicaine li gen droit ça? Est-ce que Haïti c'est ti moun République Dominicaine qui sa bagay lan et tout bon? Déjà nous connaît depuis le Jovenel Moïse était là, le président était là. Là était prend initiative pour li prend prise sous rivière massacre même genre République Dominicaine fait là et que l'eau ça pral permettre paysans yo joindre l'eau pour user jardin etc. République Dominicaine dominicain était estomaqué, yo fâché, yo pas d'accord bagay ça comme si c'est yo gen droit. Nous même nous pas gen droit. République Dominicaine pour rappel li prend 11 prises sous rivière massacre. Li prend 11 prises qui a déversé de l'eau la kayli, ka pral ouze di paysan yo, jardin paysan yo. Nous même on grand ti prise n'a prend nèg yo estomaké nèg yo pa vle. Eh bien on fait injonction à l'état haïtien pour camper tout travail. Eh bien le yo voyé injonction, yo voyé et yo communiqué l'état haïtien et injonction, eh bien gen premier ministre de facto Ariel Henry qui répond au gouvernement dominicain carrément nèg sa son véritable problème ni pa jam ka comprendre ni li fait konnen que projet canalisation li pa gen rien pou louer avec gouvernement là et que ces citoyens haïtiens son groupe citoyen haïtien qui yo même yo décidé faire affaire yo ça veut dire de 1 depuis après assassinat président Jovenel Moïse, Ariel a accepté qu'il va écrire les continuités de l'État, il couper fâché avec lui, couper fâché avec projet Jovenel Moïse. De deux, son petit groupe monde qui a fait affaire, ça veut dire nous nos pays côté que pays en supposé gouverner, administrer, gérer, c'est comme si Ariel dit lui-même, celle ça le connaît ces questions gérer primature, c'est régler affaire dans ministère intérieur, c'est régler affaire dans CSPN, non, c'est gagoter l'argent, détourner l'argent etc. Sa population haïtienne n'a fait pas impliqué. Le avez besoin de bagarre comme ça. Qu'on y a qui sa République Dominicaine pour répondre? République Dominicaine pral faire konnen yo apprécié geste ça côté que Ariel dit yo pral venir chita parler pral voyer une délégation République Dominicaine qui pral parler sous situation et y a deux pays yo a confronté dans moment là pour yo ka joindre une sortie de crise une solution pressée avec problème rivière massacre. Et bien République Dominicaine li répond pour dire que li apprécié geste ça et que de manière pacifique et yo voulait résoudre conflit. Si la République Dominicaine mentionne yo vle résoudre conflit de manière pacifique, ça veut dire là, je m'ap gade bagay yo là, Abinader te gen travay ekòl, si n'pa résoudre de manière pacifique, ki ap pran les armes kont nou. Yo pral rive là, yo pral commencer massacre paysan yo k'ap travay là. Yo pral touye, ki sa yo pral fè? Ki sa yo sous-entend lè yo di, yo ap bien content que yo résoudre de manière pacifique. Si yo pa fè le pacifique, yo fè le pran les armes militairement, manu militari. Ouf, en tout cas, nous comprenons les bagay dans des haïtiens. Donc Ariel livre moun sa yo k'ap travay sou rivière massacre bay dominicain. Yo met touye, yo massacre, yo assassine yo. Ariel apprend ni déplorer drame nan et puis ça s'arrête là. De point de vue diplomatique, pas vraiment gen aucun suivi k'ap fè. Ariel lagué haïtien bay dominicain fait ça ou vle avec lui. C'est ça sa vle di nan réponse Ariel bay gouvernement dominicain. Jodi an nou pral fè yon ti parler avec yon mob nan ekip lan, c'est yon jeune qui était toujours là avec nous pour et partager pour présenter espace international et dans émission mon éditorial, mais gon bon petit temps et nous t'ai fond camper
Et mais faut que moi dis non par rapport au genre pays en là, par rapport avec situation côté que bandi a metté moun dehors la caillou, bandi a attaqué moun, nous non insécurité qui enragé là dans moment. Et bien en pile haïtien, en pile compatriote frères sœurs nous, jeune, petit moun, grand moun, vieillard, handicapé, en pile moun non situation difficile. Et bien nous pral font ti parler avec Mark and Love Glogens Guerrier qui sont amis nous en frère et qui lui même tout a vivre situation difficile et dans pays à côté que lui obligé courir quitter la caille à cause insécurité à cause bandi qui a rentré Kamoun et c'est une des raisons toujours exhorter chaque haïtien même le nous ouais insécurité à bandi pas courir dans quartier nous pas penser nous à l'abri parce que Jean Bagaylan est là et pas gen moun qui à l'abri dans pays d'Haïti. Et Mark and Love, comment y est bienvenue dans l'émission pour nous faire un petit parler. Bonjour Yannick, bonjour tout le monde. Et c'est avec un sentiment et de faiblesse capable que nous là avec aujourd'hui là. Vu les situations qui viennent actuellement dans pays là, situation difficile surtout qui impacte un peu le monde et nous-mêmes personnellement nous sommes pas à la bouche, nous pas vraiment dans une situation d'insécurité. Ça a obligé de mettre nous en fuite de tout ça que nous gagnons et pour permettre que nous capables de sauver la vie. Nous. Donc, comme d'habitude, c'est même contentement qui fait que nous prenons bonne prévision, que nous capables d'échanger de situations VIA et malheureusement, c'est lamentable et qui en paye mon apprenti à devenir ça. Ou même personnellement, Mark and Love, comment on vive situation, comment on vive et Zak Bandio côté que Bandi après pré Kamoun, nèg exam a débarqué dans divers quartiers dans centre-ville, mette moun dehors, agresser moun, violer femme actif, bouler kay moun. Comment on vive situation ça? Bon, c'est une scène que pas gen mot vraiment qui a décrit ça qui a passé à la mesure où que on a une population qui paraît impuissante devant chef Bandio et puis on gagne un laisser aller ils ont des pactes faillis avec une mission première qui vient de se garantir sécurité la vie avec bien de toute population et bien ça qui est plus la question c'est réaction de l'audio face avec le mouvement qui gagne capable de généraliser dans la région métropolitaine. L'organe des bandits, comme quoi d'avoir vu le rôle de la police, comme quoi d'avoir vu le rôle du gouvernement, on peut obliger peur les bandits à lui-même faire une déclaration, parce qu'au Québec, qu'on est presque sûr à 100% qu'il va passer à l'action, qu'il a exécuté sa vie, que c'est les chefs gouvernement eux-mêmes. Donc, c'est ça qui nous fait que la situation paraît très critique. Et nous-mêmes, nous vivons, parce que nous avons suivi l'évolution, nous avons regardé qui gens et jeunes à courir pour quitter Caillou, le monde qui arrête. Et tout le monde est obligé de quitter la Caillou, parce que pas peur et pas vraiment force, capable de contrer Caillou, ça a fait dans la région métropolitaine, dans la façon dont on va avec le phénomène de prison. Ça vient créer une panique totale, parce que l'on a un monde, par exemple, que la population a fait confiance, qui est capable plus ou moins d'aider le faire face à avec une situation d'insécurité. Ça va se rappeler, moi-même, m'a parlé des zones spécialement carrefourfeuille que moi habité depuis tantôt 6 ans. Et c'est une zone côté que j'ai une parfaite collaboration entre notre communauté. Ça veut dire, c'est une zone qui est plus ou moins et à une résistance avec le phénomène d'insécurité, côté que kidnapping dans les mêmes lieux, en pile de difficulté pour que nous soyons capables de faire dans la région ça. Et pour qu'il y ait un ensemble de membres de la population qui sont toujours campés pour bataille, mais dernier moment ça, ils sont obligés de changer parce que eux-mêmes tout, ils ouais, et des jours sombres, côté que vraiment, ils ont demandé d'accord, ils ont demandé aide avec l'État central, malheureusement. Peut-être qu'ils ont leur agenda, peut-être qu'ils ont leur plan, qu'ils n'ont pas envoyé un fort à temps avec cette bonne vision, mais ils sont dans la zone. Et actuellement, avec le niveau de pénétration qu'ils ont fait dans la zone, pratiquement, quand on peut, c'est une région
qui fait pratiquement pas de monde qui en vive là dans la vie, et même vraiment, tout le monde a déserté zone en fonction. Parce que Jean Bagay la fête là, pas de monde qui est capable de camper face à Balbundi. Et ça qui est grave dans la question, c'est parce que monde qui a fait monde courir, ou va regarder grand monde qui a couru dans 15 ans dans une zone qui n'a pas taille de tout vieux, pour créer la stabilité, pour construire un caille, pour capabilité, et pour garder monde qui a terre tout le monde. Mon choix en amé, avec vos âmes, a fait mon courrier dans la zone lamentable. Et nous-mêmes, tout nous paraît bien différent. Donc, nous sommes obligés de courir, quitter toute bagarre que nous gagnons, parce que nous connaissons ça qui est plus important, c'est la vie. C'est la mais situation est même plus extrêmement. Mais, Madame Love, est-ce que, honnêtement, est-ce que vous avez espoir pour sécurité rétablie dans le pays avec équipe ça qui sous pouvoir parce que c'est eux même qui ça c'est des responsabilités pour résoudre question insécurité alors après CSPN il y a diverses catégories monde qui composent les premier ministre ministre justice bon Ariel gain de chapeau ministre intérieur est également là dans les DG la police IG et la police véritablement moun yo population ça c'est attendre une réponse directe concrète avec question insécurité hein. Jusqu'à présent, rien pour qu'on fait. Est-ce que vous pensez qu'on espoir qu'on volonté réelle pour résoudre le problème de sécurité? Si nous avons parlé selon la Bible, l'espoir ou bien la foi, même l'idée de baser sur une sorte de confiance, c'est une assurance qu'on gagne d'un bagage qui peut arriver, mais que vous croyez qu'il est arrivé. Mais pour ça, les manifester la caille en soi, faut que tu capable bien des actions. Tu as j'aimerais avancer là, me dis pour un jour, n'a pas atteint tel objectif. Et maintenant, pas de rien qui fait. C'est ça le problème. Comment tu as fait penser de l'espoir si vraiment pas de action qui commence à poser? Lorsqu'il y a un chat, lorsqu'il y a un policier qui est là, et puis c'est couille au couille, c'est des hommes. Ça crée la peur chez les gens. D'ailleurs, c'est un bagage qui fait pour nous courir plus vite. Regardez les mecs qui ont un examen qui t'a de contre carré dans pour repousser pour mon mieux qu'à venir dans la zone. C'est eux-mêmes qui ont abandonné la zone en premier. Nous-mêmes qui n'ont pas guéri, nous sommes obligés de courir. Donc, pas qu'à parler de l'espoir dans la situation qu'on fait ou dans la situation pays est là, sans pas gagner, un commencement, une volonté politique qui commence à prouver. Voilà, il faut que les choses changent et vous prenez le travail pour permettre que nous avons mis des pieds noirs à terre. Pour tout acteur, mettez nous ensemble pour capable de frapper pour faire une solution. Parce que ça qui a passé quand vous voyez, ça qui a passé derrière, ça qui a passé la plaine, il n'y a pas été différent. Son chaos, son situation d'insécurité généralisée qui mandait pour les paramétrer, tout ça qu'il y a en termes de puissance de la violence légitime en application. Et là, c'est pas une question de la police qui a faiblesse ou qui n'a pas gagné matériel, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le problème de politique qu'il faut gérer. C'est parce que pas gagné une volonté politique manifeste qui empêche ça. Par exemple, je prends un commissariat, la manifestation, population à les écamper, il y a des renforts. À nos jours, quand j'aime bien un enfant qui peut aller en l'air, je ne sais que quand nous continuons à pénétrer. Et là, c'est comme si mon plan manifeste pour t'abuser tout le bloc d'affeuilles pour faciliter la kidnapping dans ta part de fait, et puis pour faciliter la capacité d'implantation d'une base dans la région là, qui t'a contrôlé toute région métropolitaine dans la logique qui a en hauteur, d'âme n'exaurien, il y a privé champ noir. Donc, ou bien un groupe qui t'a quitté sa vente de tâche, et ça n'a laissé qu'à vous faire. Après qu'il courit des sols sous place Jérémy, après qu'on y a qui est obligé de courir encore à tomber champ de mars, et il n'y a rien pour lui courir parce qu'il gagne à marcher. Et malgré toute manifestation, malgré tout appel à aide que la population a fait, ou au gouvernement qui était inactif. Donc, pas qu'à gagner l'espoir, c'est vraiment pas une action qui commence à poser. Et ça, c'est le même qui va créer confiance. On dit voilà, dans 2-3 jours, si je vais aller en retard. Kounya, nan pareil situation, kote ke autorité ou pa vle
et assumer responsabilité yo pas gen volonté pour résoudre problème qui là n'a regardé quantité moun qui perdu la vie yo quantité moun yo massacré quantité moun et qui disparaît est-ce que pas gen action légale parce que on est au même domaine international là et sphère internationale là c'est domaine nous est-ce que pas gen des actions légales que un groupe citoyen et que ce soit regroupé ou en association par contre j'ai été ka regroupé yo pour intenter action contre autorité ça yo qui là et qui te ka abouti à condamnation yo jugement yo condamnation etc. Est-ce que ça possible? Bon, en fait déjà qu'il y a possibilité sauf que qu'on y a la chance de matérialisation il y aurait me poser problème parce que d'abord faut regarder légitimité du premier ministre qui là qui façon qu'il vige au pouvoir. Après le Baou, ils ont juste des lectures des situations actuelles. Peu importe de mobilisation qui t'a fait, ou bien regroupement, signature des pétitions, d'ailleurs, il y a plusieurs co-organisations qui écrivent déjà. Il y a un rapport qui fait que sous-titre la PINU, parler sous question de mauvaise gouvernance et Ariel Henry, et premièrement, il y a un château qui soutient l'autre rapport qui parle de dégradation et situation de droits de l'homme en Haïti, ensemble avec. Catastrophe humanitaire qui est actuellement. Donc, il y a une zone de groupe pour gagner jusqu'au côté qui sont fort, qui gagnent, monde qui fait tuberculose qui l'a dans l'île, qui est obligé de se mettre pour lui, qui voit toute maladie à la carrière. Donc, on est en ouais, qui catastrophe humanitaire qui est capable de gagner avec une éventuelle propagation de tuberculose dans tous les pays. Donc, ça, on vient présenter comme des enjeux. Et qui parle pas de droit de l'homme au niveau international qui est allé en paix sur question. Mais qu'on y a assez gens que moi-même, il y a une question de théorie qui ça, international là, lui-même, il a gagné comme intérêt pour défendre l'intérêt des Haïtiens. Les qui ont à plusieurs reprises qui ont dit, sont en situation qui crée par des Haïtiens, solution à rejoindre au niveau Haïti. Par exemple, dernier discours que l'ambassadeur et Sébastien Carrière, ambassade Canada, lui-même, fait avant qu'il quitte le pays, il fait que sont clairement que son problème d'autres Haïtiens, donc c'est Haïti pour qu'il mette tête ensemble et avec tout petit pays pour permettre que le cadre de nos consensus là, il faut sortir le pays dans sa télé là. Et il y a des gens qui ont projeté comme quoi son bataille politique qui est là, qui cause chaos, ça a lui-même lié. Parce qu'il y a un processus d'élection, il y a des gens qui pensaient que le premier ministre qui a lui-même le papa le pouvoir avant 2025, il y a un processus qui permet que capable de gagner un conseil électoral provisoire qui va le contester, et puis après, peut-être 2024, il y a un commencement pour relancer le tout bon, après qu'il va rentrer dans le processus de référendum pour organiser l'élection, peut-être dans l'année 2024, et puis 7 février 2025, peut-être une projection qui est faite pour une passation et pouvoir qui fait ça avec un autre gouvernement, un autre président qui veut vraiment sauter à travers les jeux électoraux. Mais là encore, c'est des projections qui des mondes à spéculer qui partent totalement projetées sur une base solide parce que là, nous avons une situation de fait pas constitutionnelle, nous qui paraît respecter une norme internationale également. Donc, n'importe quoi est capable de faire, c'est peut-être seulement. Il y a un consensus ou bien en face, parce que les groupes qui gagnent dans la rue actuellement, là, c'est le peuple qui est campé avec Guacalé pour débattre un résultat malheureusement qui est obligé de me casser par le gouvernement, même par rapport à des stratégies qui ont été utilisées. Mais les groupes, là, c'est une guerre civile, parce que l'on coincé ces zones qui plus ou moins campées là dans le pays, il y a une capacité peut-être Delma, même là, en côté Delma, commence à attaquer par série de. Phénomène de kidnapping. Et depuis avant, il y a Delma 33 ou bien Delma 31 également. Donc, ça, eux-mêmes, ils viennent poser encore des problèmes. Là, il y a tout le monde qui a capté des courriers. Quand il y a toute zone qui a attaqué en même temps, qu'on a sorti des populations en fait. Ça, il va rentrer ensemble avec les justices traditionnelles. Et à chaque fois, ça, lui-même, il répète dans le pays, lui, capable de tourner en carnage, capable de poser des problèmes plus grave que possible. Donc, moi, c'est perspective pour nous suivre, Yannick, c'est garder 15 septembre qui va arriver là. Parce que 15 septembre, peut-être c'est capable, parce que moi-même, pas totalement arrêté, quoi, que c'est international là qui va arriver, résoudre ça qui est là. Mais capable qu'il y ait un piste, une capacité qui est capable de sortir à partir des résolutions de la Nations Unies, capable de voter ou pas. Parce que nous comprenons le jouet qui a fait et pas d'appliquer les deux pour les
décision soit ici. Et malheureusement, toujours gagner des politiques qui ont fait qu'il y a pile compte, qu'il y a pile intérêt, qui ont joué tout dans la famille là. Donc ça, c'est fait que peut-être que les solutions pour que les gens votent. Donc, le 15 septembre qui va venir là, c'est peut-être une date que le Conseil de sécurité a parlé de discuter encore sur la situation à l'ICA, peut-être nous capables de virer pour nous garder ça qui va le sortir. Mais ça qui est clair, c'est que l'international là, son grand monde là, ou pas qu'à Bretonne, son grand monde pour qu'il dise ça pour faire. Donc, soutien, ok, on grand monde qui a vos yeux sur vous, dire non, mais ça pour faire, mais ça pour faire. Mais les bouts, t'inquiète, pour aller des balles, je dis qu'on grand monde assume les responsabilités et essaye de jouer une consensus nécessaire pour permettre qu'on soit capable de sortir. Il y a la salle là, même pas c'est qu'on peur fou au niveau de la justice, même si que nous connaissons déjà justice à lui-même lié, parce que suite à ça avec ces accusations qui viennent contre le membre du gouvernement d'ailleurs, on a pour qu'il sorte là-bas, juge, et il y a écarté si on possibilité du monde qui travaille dans le gouvernement qui est un peu directement dans la bagarre qui louche. Donc ça a aussi montré que question d'impunité, c'est comme quoi tu as un encouragement. Et pour gagner un chaos total et généralisé, et puis pour permettre le pouvoir, les mêmes capables, plus ou moins, chita, et qui, je vous donne des excuses pour permettre qu'ils soient capables de dire pour qu'ils s'appellent Balaya parfait, même qu'ils s'appellent Balaya parfait en termes de bilan et de réalisation future. Mais maintenant, nous avons le balai qui est extrêmement important. Parce que pendant, et disons, opposition, les gens qui sont en face à réel, ils attendent que. Et ces résolutions qui prennent le Conseil de sécurité des Nations Unies, ou bien ces délégations CARICOM, ces secrétaires généraux des Nations Unies qui pouvaient entrer et mettre différents acteurs, etc. Nous pas oublier ces mêmes internationales à travers le groupe qui étaient sorti en déclaration conjointe, qui publiaient les, qui, dans la bataille qui était gagnée entre l'ancien PM Claude Joseph avec Ariel Henry, qui était choisi, c'est Ariel Henry qui a gagné pour gérer le pays après l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est eux même encore qui continuent à supporter Ariel, c'est eux même encore qui continuent à courir Ariel, mais je ne dis pas là, est-ce qu'il y a une différence et leur résolution qui prend le Conseil de sécurité des Nations Unies, est-ce que son résolution est peut-être qui prend aller en faveur de Haïti ou bien qui a continué à permettre Ariel de consolider le pouvoir? Qui sort comprendre de ça? Premièrement, je ne sais pas si est-ce qu'il y a une opposition réellement face à Ariel? Et communauté internationale là, yo même yo gien intérêt pa yo. Ça veut dire, yo pas mes jambes venir là, c'est pas comme si nous gien pile expérience déjà dans mission ou bien intervention militaire qui fait dans pays a qui résultat qui ou bail. C'est pas comme quoi que pour aller gien en mer depuis le descend là qui va venir, nous capable suivre lecture et nigérien et tout est venu. Et position qui a gagné vis-à-vis des situations. Ça veut dire que c'est une question qui est extrêmement sensible, que pas gagné vraiment un pays qui voulait prendre question à Haïti, parce qu'il y a un pile enjeu, il y a un pile enjeu là-dedans. Et ça qui doit se placer au niveau interne qu'il fait, parce que c'est peut-être force société civile là, qui doit prendre en considération pour dire voilà, nous prenons une réponse. Et même là encore, et tout à l'heure, on a parlé d'un train de côté du cadre en guerre civile. N'importe éventuel pays, l'autre, et même les Brésiliens, ils empirent la situation, les Brésiliens ont plus de problèmes pour que les populations qui sont marginalisées et qui sont toujours dans une situation difficile. Établi dernier rapport qui soit exigeant presque 60% population haïtienne qui a vécu dans insuffisance alimentaire, donc qui n'a pas qu'à manger. Et ça, situation, ça qui vient là, les prêts continuer à fragiliser, augmenter les statistiques. Ça veut dire, on vient d'un pays quelque part qui était peut-être à un petit pourcentage très minime pour permettre qu'il est capable et disparaître. Même, pourquoi pas, en tant que pays, sur scène nationale et internationale, parce que les structures nationales, c'est eux-mêmes qui peuvent constituer éléments constitutifs légitimes qui ont reconnaissance à Haïti, qui sont déjà, mais depuis pas mal de temps, qu'on lecture qui a fait
d'ailleurs, avec le fait que le président Jovenel Moïse n'est pas là ou pas à nommer des ambassadeurs en Haïti ou venir des échanges d'affaires. Et là, l'on a regardé presque 94 pays qui n'ont et communauté internationale dans l'organisation des Nations Unies. L'on a regardé le niveau des ambassades qui sont dans le pays à niveau des missions diplomatiques qui a été gagnées avec l'autre pays à l'étranger. Son bagage qui est assez triste. Donc, on rentre dans une sorte d'isolationnisme, côté qu'il y a isolé Haïti de plus en plus, parce que nous, visibles dans la région, hein, c'est peut-être la somalisation c'est dans la région, ça, c'est une situation qui paraît un petit genre difficile que la communauté internationale, elle même peut-être pas ou pas qu'à résoudre, parce que à chaque fois que vous définissez un plan au niveau international, venant en Haïti pour mettre en application, j'ai toujours gagné des controverses qui viennent changer de niveau, parce que Haïti sont très spéciales. Et pour être capable de répondre à ce besoin qui a été le même lien, il m'a dit qu'il faut que le local, il faut qu'on implique la population dans la décision. Ah, et c'est ça qui fait que la solution par l'autre, c'est acteurs politiques qui vont mettre ensemble pour que nous en sortions. Et n'a pas une dernière question pour nous finir, Marine Love. Et ouais. Pendant le week-end, il y a une injonction que pays voisins nous, République Dominicaine fait à l'État haïtien pour camper tout et travail yo ta fait sous rivière massacre. Alors que nous connaissons déjà République Dominicaine à plusieurs reprises, yo même yo gen plusieurs et canaux etc. Yo gen plusieurs voies qui permettent que paysans jwenn de l'eau pour alouser jardin yo. Et nous même pas bon ici. Le président Jovenel Moïse a commencé à initier le travail pour mettre des canalisations pour permettre que les paysans nous rejoignent de l'eau. Eh bien là, nous avons une injonction qui fait à l'État ici, en gouvernement réel en rien, pour camper tout le travail. Est-ce que Dominique a un droit ça? Bon, en fait, et Dominique a même bien défendu l'intérêt. Nous sommes chez le financement et le projet Jovenel Moïse. Et d'abord, moi-même, plus ou moins, maîtriser les régions en tout, parce que Romaribao, Bamaribao, c'est une zone côté que vous faites en pile du lit, en pile, capacité, agriculture, des cultures que vous produisez dans la zone. Là. Et la plupart du temps, toujours gagner affrontement d'Haïtiens avec Dominique sur frontière, soit pour qu'il y ait rapport avec terre, ou bien def, ou bien, et vous connaissez une zone non officielle qui gagne des rapports commerciaux qui gagne à Haïti avec Dominicaine, qui passe pas de problème. Et même, il y a des trafics illicites qui concernent la région. Donc, ensemble avec un tel projet, ça a pas demandé pour encourager la population qui est dans la zone ZA, impliquée au plus dans l'agriculture. Surtout, c'est peut-être une réponse politique face ensemble avec et Aristide et Prival qui prennent des paysans dans la région ZA pour être capable d'aller ensemble avec ce multinational qu'on y vit et même pour être capable de construire et compagnie nous connaît. Factory qui a produit et des vêtements pour aller vendre sur scène internationale. Et ça, lui-même, il a toujours créé des tensions entre les paysans. Donc, la campagne présidentielle, il était pour mettre pour plein de malbaroua, lui-même, il est capable de faire un bon système d'irrigation qui est capable de permettre que manger, capable de produire dans la zone là. Mais, et République Dominicaine, lui-même, il utilise les rivières Massacto sur plusieurs points pour être capable de prendre l'eau pour aller faire même bagaille là, la caille. Et même genre, Haïti n'a pas vraiment envoyé produit à la République Dominicaine. Par contre, si Haïti bloque un produit dominicain qui a rentré sur le territoire haïtien, hein, et Dominique peut aller dans l'OMC, elle peut être prête pour Haïti, et puis rapide vite, il y a une sanction contre Haïti, ça rentre dans la question de domination de la force. Parce que la République Dominicaine est une condition pour Haïti depuis pas mal de temps. Imposé volonté par Haïti et surtout ensemble avec et ont toujours refusé admettre que Haïti était occupé ou n'était pas passé. Donc on pense ça surtout avec Boyer, ça a toujours été comme un gros problème pour Dominique pour garder actuellement qui Haïti qui est occupé. Ça veut dire qu'ils ont augmenté politique au niveau interne pour permettre qu'ils soient capables de gagner une stabilité politique d'abord qui pourrait gagner des impacts sur qui sont économiques, hein, et puis pour une politique étrangère vis-à-vis d'Haïti, côté que, yon guette à occuper Haïti économiquement. Dernier donné qui dégaine, yon quoi, presque 80 fois, là, aller en termes d'économie, et l'économie de la République Dominicaine, elle-même, paraît beaucoup plus importante, plus imposante que l'économie.
l'économie haïtienne. Ça a expliqué par rapport avec déficit balance commerciale et pour export qui est entre deux pays. Donc ça veut dire que la République dominicaine n'a pas le droit. Et à quoi qu'il était signé, il était très clair. Et il y a un massacre, c'est lui-même à partir des bornes qui ont été mises comme délimitation frontalière. Donc, il délimitait la République d'Haïti, la République dominicaine. Donc, dit que Haïti n'a pas le droit à ça, pendant que vous-même, vous avez plusieurs zones que vous prenez canal pour aller faire irrigation, il nous pose un problème comme quoi Haïti qui doit dire même bagarre là-bas. Mais le fait que timing politique là, parce que le rapport de force là, il contemple en politique. Actuellement, ou pas grand gouvernement qui prend, ou pas grand président. Donc, ça veut dire que la République dominicaine a joué toutes les cartes qu'elle gagnait pendant qu'elle connaît Haïti, pas vraiment grand force qui est capable de faire une réponse. Donc, à part de Claude Joseph, et parfois, on t'a dit qu'il connaît pas la République dominicaine, pas quoi que même au niveau du parti politique, au niveau interne, qui peut gagner pour prendre pouvoir à l'avenir, il y a des gens qui ont ou sur le champ des situations, ça montre nous vraiment côté que société, bah non, hein, nous étions dans la démagogie, nous étions dans la querelle politique, nous sommes entre nous, et puis nous n'avons pas de projection vraiment pour l'avenir. Mais là, la République dominicaine, tout, il n'y a pas de droit, c'est pas comme si quelque part ça a écrit que la République dominicaine est venue en Haïti et puis fait ça à lui, parce que malgré tout, Haïti est placé sous chapitre 7 Conseil de sécurité, hein, d'ailleurs avec des mobilisations armées au niveau de Haïti. N'importe quel pays comme quoi qui t'a vraiment dit guerre, bon, en fait, nous connaissons pas pour vraiment exister, qui t'a vraiment dit guerre avec Haïti, donc c'est à Doué, Nations Unies, qui t'a avoué un gendarme pour venir défendre Haïti, ça, ça t'a doué, je l'ai dit. Mais dans la réalité, et nous connaissons les actions qui, modèle pénétration Dominique a fait sur frontière-là, en Haïti, donc, et puis pas jamais rien qui fait. D'abord, mon boss, dans la réalité, comment c'est pas nous, c'est qu'on dit ça nous voulait, et puis pour la mesure pour ça, il est comme un cababage. Donc, si je bien comprends là, Dominicain a profité de situation de faiblesse qui gagne par bon côté et gouvernement rien par bon côté l'État central et puis il a profité de situation de moment là et puis pour faire ça reconnaître. Mais bon, la bagaille qui est extrêmement important. Mais question contrôle frontalier, est-ce qu'on pense que l'État haïtien gagne là frontière nous partage avec la République dominicaine, l'État haïtien gagne contrôle lui? Moi, c'est une question qui est tellement intelligente. Je me demande si vraiment l'État haïtien qui contrôle en Haïti actuellement. Je suis sur mon côté que vous allez vous dire combien d'Haïtiens qui vivent sur ce territoire-là. Je suis sur la réception qui n'est pas faite depuis pas mal de temps. Et pour point officiel, il n'y a pas vraiment rien. D'ailleurs, actuellement, la dernière statistique qui se dit, il y a toujours plus que la police dans le pays. Mais qui grave en pile. Donc, là, il y a des chaos, comme si il y a des zones. Admettons que la police para avoué un groupe politique en fait, un groupe dans chaque région côté qui a un phénomène de bêtise. Et puis, il y a des points très stratégiques au niveau frontière. Est-ce que vraiment il y a une présence de la police? Et même si il y a une présence, parce que regardez-vous avec qui phénomène qui est là. Technologie a une grave en pile. C'est que où un policier qui est dans la rue et puis c'est dans le téléphone. Mais nous, sur frontière là. C'est du là qui est beaucoup plus important parce que l'État en sorte créé chaos. L'on pas payé un policier, soit il fait. Il faut le fonctionner. Donc, on a là, un policier, par exemple, qui trouve ce frontière là, qui t'a dû à surveiller ce qui fait entrer sorti pour gérer le contrôle territoire haïtien. L'un qui n'a pas qu'à manger, qu'on a venu entrer dans une ville sous frontière là, sans où il a le fait. Donc, comme quoi, pas même qu'il y a assez de policiers pour capable de camper. Donc, c'est une situation, moi-même, m'habitue à aller en République dominicaine, m'habitue, ouais, pour traverser ces frontières en République dominicaine, non seulement on pense, ou bien politique prison, à chaque point fixe, ou bien des militaires qui toujours fait des têtes points. Mais, ou même, pour ceux qui, par exemple, en République dominicaine, viennent à Haïti, et pour qu'ils comprennent, République dominicaine, la plupart du temps, ils ont même très fixe qui sont en sécurité intérieure. Et là, si on régionalise la sécurité intérieure, là, les gens qui s'allument là, ça veut dire qu'il y a ce pays-là. Ok, qui est-ce qui a baillé l'information qui a passé en SAPIT actuellement? C'est ça qui empêche, par exemple, le Dominicain d'envahir en SAPIT. Parce que pas perdu dans l'air. Donc, ça, c'est peut-être que nous état, côté qui a pris le rouler. La situation a empêché chaque jour. Et puis, chaque monde laissé aller, lui-même, il continue à faire, il a défendu l'intérêt par eux. Et tout autre que, et les politiques là-bas prennent les sujets là. Il y a toujours des problèmes. Et actuellement là, Haïti
pas qu'il contrôle rien. D'ailleurs, pas même qu'il y a une institution de référence dans le pays à côté de la protection du droit. Longtemps, on a parlé de DCPJ. Bon, pas vu parler de cette question. Mais nous-mêmes, nous avons fait des enquêtes par nous. Et puis, nous avons compris une institution actuellement dans le pays alors qu'on ne peut pas couper là-dedans. Et c'est ça, tout autre que pas une institution forte. Je ne peux jamais mettre en application et vous ne pouvez jamais faire un résultat. Et merci, Mark and Love. Merci pour la disponibilité. Et nous connaissons un moment là, un moment difficile, et un moment difficile, il faut me quitter ou aller. Mais nous continuons à prêter en contact, nous continuons à faire débat sur la situation du pays, parce que c'est important. Et il faut nous poser des problèmes pour nous et chercher des pistes de solutions pour nous aider à nous comprendre ce qui a passé, puis bien dedans, la République. Le mot de la fin, Mark and Love, c'est qui ça la pied. Oui, en fait, merci. Merci, Ampil Yannick. Moi, c'est toujours important pour que nous puissions discuter de la situation du pays. Parce que malgré tout ça qui a passé là, on va gagner plus fait. Et moi-même, je crois, peut-être que je ne sais pas qu'on est dans quelle période, mais sauf que moi-même, qu'on crée une bagaille que je m'appelle à chaque monde, c'est le maximum que possible pour sauver la vie. Sauver la vie, c'est ça qui est plus important, c'est le même qui est prioritaire. Et puis après, tout ce que ça va venir, parce que tout le temps, pays ça, changement ça que nous avons pour nous, et à la privée quand même. Et il n'y a pas qu'à exiler nous toutes, il n'y a pas qu'à détruire nous toutes. C'est vrai qu'il y a un problème, d'ailleurs, pour que nous avons venu livrer ça, le dire, casser un mouvement qui a commencé à former au niveau interne. Peu importe de ça qu'a fait là. Nous-mêmes, il y a espoir toujours. Espoir, c'est chaque fois qu'il y a une chance pour sauver la vie, ou qu'à continuer à vivre. Ou qu'à reconstruire tout ça côté gain comme rêve, parce que y'a qu'à détruire Kaino, y'a qu'à mettre nous dehors dans Kaino, y'a qu'à créer tout ça que nous avons, bouler machine nous, d'aille pression, mais rêve là, et puis qu'il y a partagé, y'a qu'à détruire, parce que la fèche est même tout ça. Merci Yannick. Merci, merci Mark and Love, et rendez-vous à casser dans l'autre émission, pourquoi pas, et bon dimanche à vous-même. Merci, bye bye. Avec nous, c'était Mark and Love, Glow Against Guerrier. Nous t'avons parlé, et sous situation paysan, parce que ils sont jeunes garçons qui plein avenir, plein fougue, qui déterminés. Et pour un pile d'amis qui t'a gagné chance de commencer avec nous, et dès le départ, t'es bon, espace qui t'a l'espace international dans l'émission, c'était lui-même qui était présenté. Journée, jeudi, en la situation qui est difficile. Même genre avec un paquet d'autres compatriotes, bon, ils mettent le dehors la caille, fait le courir. Donc, c'est une situation qui est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et Mark and Love, c'est toujours un point qui est important. Et il faut que l'été aller, nous pas de rentrer dans le dossier ça. Et parlant de DCPJ, en parlant de DCPJ, dernier rapport que DCPJ mettait dehors et sous assassinat président Jovenel Moïse, il voulait dire ça, il voulait dire. DCPJ a un job pour te faire une enquête supplémentaire. Sous moun qui participait dans tout le président Jovenel Moïse, différentes personnalités politiques, économiques, moun dans la société civile qui impliquaient dans tout le Jovenel Moïse. Et bien, dans le rapport supplémentaire, ça, des CPJ, pralvin, faut qu'on ait que, il y a des séries de personnalités dans le pouvoir là, il y a des séries de hommes forts dans la politique là, et non, y'a pas qu'à sortir parce que y'a dans le pouvoir, y'a sous pouvoir, etc. C'est là, y'a pas dans le pouvoir encore. Donc là, nous déjà comprenons. Je me dis dans le commencement de l'émission, nous déjà comprenons que à travers rapport ça, non seulement DCPJ montre les gains faiblesses, DCPJ n'a pas parti pris, nous pas craser les institutions, mais nous obligés de bagailler aux gens. Mais au-delà de tout bagaille ça, nous finissons par comprendre l'objectif nèg yo qui n'a pouvoir là, monsieur dame ça qui sous pouvoir, qui n'a pouvoir rien, yo a toujours créé toutes conditions pour y rester sous pouvoir parce que en pile gros bras qui participe dans tous les Jovenel, yo pas jamais remé pour yo ta ouais, yo pral devant un juge à répondre question, yo toujours fait tout ça, yo connaît pour y rester dans pouvoir yo, pour yo toujours bénéficier, m'pa konnen côté yo jwenn immunité ça. Ou yon président, gen enquête qui t'a révélé mes participations, mes implications, et puis ou t'a dit parce que yon se yon en pouvoir, yon se des hommes forts, yon pas vli attaquer. Tchadjero, j'aime te dire là, n'ap suivre des séries, n'ap prendre l'autre dans des séries de gros pays, de grands pays, et puis nous même n'ap fait mascarade, n'ap fait tete la kaino. D'autant pas gen justice de dans pays, ça nous karele le tout non, nous kaba Haïti tout non, mais parele le pays. Parce que c'est nous qui avons crasé le pays, des séries d'institutions qui là pour gérer question sécurité, pour gérer question justice dans le pays. C'est eux-mêmes qui ont contribué à l'instabilité, c'est eux-mêmes qui ont contribué à la crise pays.
Là nous quittons pas qu'est assassin continue à marcher sur le monde. Qui résultat pour nous attendre? À qui ça nous doit attendre nous? C'est pas plus insécurité, c'est pas plus monde qui a tombé, c'est pas plus kidnapping. Bon c'est ça qu'on fait ces Mac Fabricio. En tout cas. Et n'a mettre en bout dans l'émission et avant nous aller n'a rappeler une énième fois pour gérer rentrer des classes li extrêmement important et n'a regarder là on font belle petite flyers pour inciter nous prends ça nous pour nous lire ça qui écrit parce que nous même seule façon nous ca contribuer dans changer pays c'est à travers connaissance nous gain c'est à travers travail d'éducation politique ça n'a faire. Et pour nous arriver à un changement possible, faut nous contribuer. Non, prendre moun sa yo qui nous situation difficile, c'est un livre, un caillon, plume pour nous mettre dans mes yo. C'est mon seul éducation pour nous bailler, pour nous partager avec yo. Parce que si nous quittons tout vide, si nous quittons espace vide, si moun sa yo se délai quand y a vigné demain, son zam kap nan men yo, et zam sa kap nan men yo, et contre nous même y a tunnel. Ils ont là puis a toute gang pareil yo zam ki nan men yo pa tourner zam nan compte gros ligak yo non yo pa tourner zam nan compte nèg sa ou kap enrichi de manière illicite dedans pays en sous de malheureux raison c'est contre nous même malheureux pieds sale yo c'est yo même journée jodien y a terrorisé y a kidnappé y a violé y a tout pisé en dedans pays. Est-ce que nous jam tande gros bras ou gros chabra que courir quitter pays? Non, y a pas courir quitter pays. Yo gen gros business yo la, yo pa kouri kite peyi. Se nou y a fait kouri kite peyi. Fuite de cerveau, fuite de capitaux, Haïti nou situation difficile la. Donc ma encourage ou, supporte projet, supporte initiative lan, piti koulie, so ka bay lan, rele me krim nan numéro émission 3896, 3819 pou Dianik. Mais qui sa m'vle faire, mais comment m'vle contribuer? Li te met son bout la kre, et participation la ka achete, la pa achete. Bon dimanche à tout moun ki tap suivi émission, rete connecté. À plateforme là pour reste programmation. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et bien on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, on dit tout. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, oui, chez Chanel Paola, pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral parler pays, nous bral faire débat, c'est toujours même Yannick là, même voix.